Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes sur la route de Pamukkale. Un site incroyable à visiter sur la route, quasi personne à l'intérieur, peut-être l'un des plus beaux d'Asie mineure. Et puis au bout, le champ de coton, les remarquables sources d'eau chaude de Pamukkale. C'est parti pour notre troisième étape de notre road trip turc. C'est mon site préféré, vous comprendrez pourquoi. L'un de mes sites préférés. Il règne ici comme une atmosphère de cité perdue qu'on découvre sans aucun touriste. On arrive vers 15h, donc il n'y a quasiment personne. Quel magnifique théâtre! 7000 places! Ici, toute la cité d'Aphrodisias venait se réunir pour les grandes fêtes en honneur de Dionysos, sans doute, et étaient jouées les grandes scènes mythologiques sur cette scène qui est encore présente. Il y a même encore les colonnes qui sont derrière. Il a un bel état de conservation. Il y a même les sièges encore pour les grands dignitaires de la cité. Ah, vraiment un super théâtre! Et regardez-moi cette vue magnifique sur la montagne au loin. Courage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? Bon, dans ce qui devait servir, j'imagine, de loge pour les artistes, en tout cas pour les acteurs, pour se changer et autres, des frontons à tête de taureau assez remarquables, regardez-moi ça, peut-être les offrandes faites à Aphrodite. Le temple d'Aphrodite, qui donnera son nom à la cité, a encore de beaux restes, notamment les belles colonnes. Derrière moi, le reste est assez ruiné, mais il reste un caractère très charmant, quasi romantique, à se balader ici à la fin du jour. On sort du tunnel, on imagine les clameurs de la foule qui crie votre nom. C'est assez flippant, on devait avoir une impression extraordinaire comme dans les stades de foot aujourd'hui remplis à ras-bord. Toute la cité devait se retrouver ici. C'est peut-être ici que se faisait et refaisait la politique de la cité et que le peuple pouvait manifester son mécontentement. On a une impression incroyable dans ce stade immense, le plus grand d'Asie mineure. Ça devait faire des frissons ici, on pouvait faire sans doute des courses de chars, des courses à pied, les jeux olympiques, les jeux aphrodisiaques peut-être, mais il devait y avoir peut-être aussi des combats de gladiateurs puisqu'il n'y a pas, visiblement en tout cas, d'amphithéâtre à Aphrodisias. Quand on pense et on regarde autour qu'il y a une petite partie infime seulement du site qui a été découvert, ça laisse songeur, les archéologues encore des siècles à fouiller sur ce site incroyable, sauvé miraculeusement par un tremblement de terre qui a complètement détruit le village qui s'est installé dessus. Il s'est installé un petit peu plus loin, le nouveau village, ce qui a permis ce terrain de jeu énorme pour les archéologues au début du fin 19e, début 20e. Un site remarquable. Peu connu et c'est tant mieux.
conseil, si vous venez à la période chaude, terminez la visite du site par le musée, c'est le même ticket. Alors qu'à Éphèse, il faut payer en plus. Il y fait frais, on récupère du soleil qui tape dehors, et ça c'est beau. Après avoir découvert la cité, on découvre ses habitants via les statues qui sont là, les têtes qui nous regardent, hein, et puis ce qu'on a trouvé sur le site, les archéologues ont trouvé, notamment la fameuse statue d'Aphrodite, l'Aphrodite de la cité. Bon, le Hania Resort, je pense qu'en saison, il doit être assez beau. Il y a deux piscines, il y en a une qui est complètement en travaux aujourd'hui, etc. Tout l'établissement est en travaux, on est hors saison, il faut dire. Bon, pour une cinquantaine d'euros, les chambres sont plutôt pas mal. Même s'il n'y a pas trop d'eau chaude le matin, attention, hein, mais dû aux travaux, peut-être. Ah, et ils ont tendance également à gonfler un petit peu les prix sur les différents types de transports. Bon, c'est humain, mais en tout cas, bon, un hôtel qui a l'air super top. Et qui hors saison, comme celui de derrière d'ailleurs, est en travaux. Le petit déj par contre est top, ça on peut pas lui enlever. Mais pourquoi pas, allez, c'est une adresse, on a pu se payer quand même un hôtel de gamme, 4 étoiles, pour pas cher. Mon ami, ça va? Juste pour le monde de YouTube. Allez, une bonne adresse sur Pamukkale, le White House de Youssouf. Une cuisine, il a voyagé un petit peu partout dans le monde et ça se voit à sa cuisine. Donc c'est une bonne adresse. En plus, c'est plutôt pas mal. Ambiance grecque. Lui, c'est un bon, d'accord? Pamukkale, le château de coton, il est derrière moi. Alors avant d'y monter, si vous avez des enfants, il y a un petit lac. On peut faire une espèce de pédalo en forme de cygne ou de canard. D'ailleurs, en parlant de canard, il y en a partout. Anaka est aux anges, elle court, regardez, ils ont été nourris. Ça hurle de tous les côtés, c'est des oies mélangées à des canards, il y a un peu de tout. Bon, une ambiance pour les enfants qui les ravira. En fin de journée, il y a quand même beaucoup moins de monde ici, d'accord? Et si on peut vous donner un bon plan avant de grimper à l'assaut du château de coton, c'est d'y aller en fin de journée. Allez, on va faire les touristes de base. Pour 30 livres, on va faire du pédalo canard. Bon, on est d'accord.
Ça nous ressemble pas, mais on peut faire plaisir à la petite. Elle s'est fait beaucoup de sites antiques. Allez, on peut faire du pédalo canard. Anaka, regarde la caméra. Tan 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 tan. Bon, comme annoncé, 3 heures, il y a quand même nettement moins de monde. Je pense que une heure de plus, et c'était encore mieux. Donc à vous de voir, mais c'est vrai que si vous passez la nuit comme nous à Pamukkale Village, c'est plutôt mieux de retarder le plus possible, vous reposer tranquillou, de retarder le plus possible votre visite sur ce site assez extraordinaire et unique au monde. Allez, vas-y. Bon, sensation assez incroyable. Anaka est comme une folle d'avoir les pieds dans l'eau, là, on marche. Pas du tout glissant, faites attention quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez ludique et ça doit faire du bien aux pieds quand même. En fait, toute la montée se fait les pieds dans l'eau avec cascade de vasques. Prévoyez un sac pour mettre vos chaussures. Après, il faudra marcher sur le site. Prévoyez un maillot de bain si vous voulez vous baigner un petit peu au-dessus. Bon, plus on monte, plus elle est chaude. Et plus il y a de monde. Et ouais. Alors, Pamukkale, ce n'est pas que le château de coton, c'est également un amour de site archéologique. Au sommet de la montagne, dans les herbes hautes. Ici et là, un théâtre, une porte derrière moi, un aqueduc, une ville thermale fondée par Eumène II, 190 avant Jésus-Christ. Les Romains vont la couvrir de monuments, mais c'est sous l'époque byzantine que la cité va atteindre son apogée, finalement abandonnée au Moyen-Âge, 12e siècle je crois. En tout cas, c'est l'une des belles visites. On préfère presque, évidemment, la solitude de ce site aux people qu'il peut y avoir là-bas, mais ça ne nous empêchera pas d'aller faire un petit plouf dans la source thermale qui existe encore. Bon, on est dans les latrines monumentales de la cité. Ah, les Romains et les Grecs savaient vivre.
Bon, avec la pluie qui est tombée, toute cette herbe verte, le site d'Hériopolis ressemble à l'Irlande. Bon, il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination pour imaginer l'agora, le forum, le centre économique, politique et religieux de la cité. Bon, comme souvent, on rencontre les morts avant d'aller voir les vivants. Après la porte de Vespasien, vous avez une immense nécropole. Une fois que vous avez crapahuté sur le site antique et bien transpiré, on vient dans la source thermale du 2e siècle avant Jésus-Christ, on s'y baignait déjà. Une eau à 30 degrés pour les muscles et les rhumatismes, c'est top. Allez, c'est parti pour le plongeon. Bon, sachez qu'à 18h, il y a déjà nettement moins de monde. Et à 19h, quasiment personne, une demi-heure avant la fermeture. Ça, c'est top. Et en plus, en redescendant, vous aurez le coucher du soleil. Donc, c'est plutôt la bonne chose à faire, je pense. Attention, c'est à partir de mi-avril. Hein. Sinon, ça ferme à 5h. Renseignez-vous bien. Mais aujourd'hui, c'est 19h30. On est mi-avril. Et on a savouré la piscine sans quasiment personne. Bon, comme Didyme et Delphes, sachez que ici aussi, il y avait le temple d'Apollon. Et là aussi, il y avait un oracle qui parlait aux hommes par l'intermédiaire des dieux. Il y avait, évidemment, ce n'était pas la pitié qui bavait partout, mais on imagine qu'ici aussi, il y avait de ça. Il y a aussi ici une source sacrée qui était là, ah, une source de plutonium, toxique. Les prêtres devaient prendre leur respiration. Avant évidemment d'y aller, on y sacrifiait des petits oiseaux et des petits animaux. Et histoire, quand tu nous tiens, sachez également que cet oracle donnait évidemment les prévisions aux hommes. C'est les dieux qui leur parlaient, savoir si on pouvait se marier avec telle ou telle femme, savoir si on devait faire la guerre contre telle ou telle cité.